Ici Michel Mongeau. Je ne sais pas si je dois vous présenter aujourd'hui une figure de proue ou deux, car il s'agit de deux personnalités complètement différentes l'une de l'autre, et pourtant elles ne font qu'une seule et même personne. Doris Lussier et le père Gédéon. L'homme, né en 1918, le personnage au début des années 50. Lussier, l'homme de lettres, Gédéon, l'homme du terroir. Lussier, l'intellectuel qui fréquentait les grands philosophes, Gédéon, l'habitant qui prêchait le gros bon sens. Les deux ont marqué leur époque. Et pourtant, le plus mystérieux reste l'homme derrière le masque. Affine-toi les yeux, mon petit frère. On va voir quelque chose de côte à queue. Il était très, très sensible, dans le fond. Moi, je disais toujours qu'il avait... il y avait une espèce d'antinomie en lui, une espèce de contradiction. C'est-à-dire qu'il était religieux, puis en même temps, il était scabreux, il était grivois, gaulois, autant qu'il était religieux. Fait que c'était presque partagé en deux, son caractère. C'était ça qui était magique. C'était de voir ces deux personnages qui se chevauchaient, qui apparaissaient. Une journée, c'était un, l'autre journée, c'était l'autre. Et de les voir croiser, faire un cheminement parallèle, c'était fabuleux. De la belle! Doris Lussier, c'était pas seulement, un philosophe, il était un intellectuel de gauche, centre-gauche. Mais c'était un cabotin. Comment ça va, toi? Dis-moi pas qu'il est venu te débaucher en ville. On riait beaucoup avec lui, hein, une fois que les choses sérieuses avaient été abordées, disséquées, scrutées. Raffiné, ben alors on arrivait à des choses moins sérieuses et Doris racontait toutes sortes de blagues. L'automne passé, ça, il y avait eu un procès, il défendait un gars qui avait été accusé d'avoir volé 20 000 piastres. Parce que 20 000 piastres, c'est encore un vol. Jusqu'à 20 000 piastres, c'est un vol, mais après 20 000 piastres, c'est la haute finance. Ça regarde plus la justice, ça regarde la politique. Non! Ses talents comme Doris Lussier, écrivain, homme cultivé, érudit. Là, j'aurais voulu qu'il donne moins d'importance à son père Gédéon qu'au père Lussier, parce que comme écrivain, je le trouve absolument extraordinaire. La grandeur de Doris Lussier, lorsqu'on regarde tout simplement sa bibliothèque, la qualité de livres qu'il y a là, les ouvrages, les écrits, les textes, effectivement, nous en avons regardé, nous en avons lu beaucoup plus que... pouvoir en exposer ici maintenant, mais c'est un personnage de grande envergure que ce Doris Lussier. Malheureusement, moins connu que le père Gédéon. Je suis tout est bon, je pense que le père Gédéon a été populaire à cause du père Gédéon. C'est que il aurait été incarné par un inculte, le père Gédéon, il aurait été aussi populaire. Et que le fait que papa soit un petit peu plus intellectualisé, c'est un autre domaine. D'ailleurs, lorsqu'on rencontre les gens, spécialement aujourd'hui, quand ces écrits sont publiés, les gens sont souvent surpris de voir que Doris Lussier, le créateur du Père Gédéon, avait des choses à dire. Il n'y a rien de plus imprévisible qu'un itinéraire humain. Le mien, ça a été une suite de fantaisies du destin. Une succession d'aventures qui zigzaguent dans tous les sens, à partir des vertes prairies de mon enfance rurale, jusqu'à la jungle joyeuse et déroutante du monde du spectacle, en passant par le plaisir de la chair universitaire. Comme bon nombre d'intellectuels de sa génération, Doris Lussier vient d'un milieu où il faut se serrer la ceinture pour joindre les deux bouts. Son premier décor est celui de Fontainebleau, dans les cantons de l'Est. « Orphelin de père, à 3 ans, j'ai vécu, écrit-il, la pauvreté jusque dans mon estomac. » Il y avait une orange à Noël, il n'y avait pas de beurre à maison. C'était vraiment là, un environnement de famine.
Donc, ici, ce que c'était, une pièce. Ton bâton, c'était une broche de ta grand-mère, c'est une broche à tricoter. J'étais maître chante pendant 40 ans, mon gars, mon vieux. Bon, les génères. Son grand-père maternel, Joe Picard, était maître chante à Saint-Gabriel-de-Brandon. Son grand-père paternel, Prosper Lucier, était fermier à Fontainebleau. Fondus l'un dans l'autre, ces deux patriarches seront immortalisés par leurs descendants sous le nom de Gédéon, roi des Jarrets Noirs. Ils n'ont pas plus de talent que ça, ces gars-là, que ça veut dire, ça? M'a mieux montré, hein, après l'autre. Quoi, je vois là, là. Moi, je t'appelle, je vois. Gilles. Sais-tu que t'es plumé le gars, pour un. Descends du même père, si tu continues comme ça, toi, si tu te laisses pas pousser de la fourrure un peu, toi, tu vas finir le crâne lisse comme les tuyaux de ma tante Laura. Ça t'en rire, cousino, t'es déjà jamais vu, tu es ce matin. Ah ouais, tu vas me jouer, toi, là, là, la bastringue. Mademoiselle, voulez-vous danser la bastringue? Comment? Oh, rien, calculez-vous que vous faites venir en conférence ici pour vous annoncer qu'il a fait beau hier? Non, 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 non. J'ai décidé que tu deviendrais un gros commerçant de bois. Puis, comme de raison, pour ça, faut que t'aies des relations dans le grand monde. C'est pour ça que j'ai acheté la maison à Woodville. Oui, entrez. Tiens! Comment ça va, père supérieur? Ah, mon cher monsieur Pleuf, laissez-moi vous féliciter de vos fiançailles. Hein? Mais comment ça se fait que vous avez ça? Vous? Mais voyons, papa. Le père supérieur et moi avons été invités à une réception que Mme Chevalier donne à l'occasion de vos fiançailles avec sa belle-mère. Ah ouais? Et Dieu sait comme elle a insisté. Comme ça, on se marie, le père? Bon, demain, voyons. Si je veux que t'aies du réussi dans le commerce du bois, faut que t'aies plus que des relations dans le monde, faut que t'aies des parents, voyons. Ça fait que je me sacrifie pour toi et je me marie. Le remariage de raison, Doris connaît aussi bien que les gars de Gédéon, car celui de ses parents est interrompu brutalement quand son père, Donna, meurt à 26 ans. Après 2 ans de veuvage, sa mère, Rose Picard, épouse un cultivateur de la Beauce, Elzéar Perrault. Plus tard, Doris Lucier, l'érudit, écrit avec plus de tristesse que d'amertume qu'il a eu pour beau-père un inculte qui répétait chaque jour « L'instruction, c'est pour les bons à rien. » À la petite école du rang, du premier rang où j'ai fait mes études primaires et où j'ai eu mes premières maîtresses. Que j'aimais ça. Que j'aimais ça, l'école. Tout ce qui était péché mortel quand j'étais jeune, moi, c'est rendu des œuvres de miséricorde corporelle. Ils conseillent ça dans les cégeps, ça éclaircit les idées, puis ça ôte les boutons, c'est plus pareil. Dans les rues du Québec, partant gris, partant sec, je m'en vais de décevant, cœur joyeux, en rêvant. Ces rues de Québec, qu'arpente Gédéon, Doris Lucier les découvre à 12 ans, en entrant au séminaire. Il n'en sort qu'à 20 ans, car pour financer ses études, il va à 2 reprises travailler au chantier. Au beau milieu de cette double vie, l'amour du théâtre se pointe déjà. Déjà aussi, on peut compter sur la verve de Doris à l'heure dramatique des derniers adieux. Monsieur le consul plénipotentiaire de la Ratonie outre-marine, infortuné qu'au sujet de Sa Majesté ci-devant, le roi très aimé de la Ratonie proprement dite, au nom de la reine éplorée, je vous salue. Les funérailles du rang. Les funérailles du rang. Oh, qu'est-ce que c'était, ce texte-là, M. Bélanger? Ça, c'est un texte que Doris avait composé à l'occasion des funérailles d'un rat. Il faut vous expliquer, c'est qu'au séminaire, il y avait beaucoup de rats. Et de temps en autre, les rats se promenaient, nous promenaient à travers les jambes. Et puis, un bon soir, on avait décidé, Doris et moi, d'en tuer quelques-uns. Alors, nous avions une gestion privilégiée parce que nous étions à la chorale et nous pouvions sortir avant les autres. On a sorti les premiers, on avait laissé les lumières éteintes. Doris s'est procuré une clé, je ne sais pas où. On ouvre la porte et avec des bâtons de hockey et les pieds, on tue 2-3 rats. Et là, Doris en met un dans son pupitre de la salle d'études. Puis là, on s'organise. Le lendemain, on trouve une boîte une boîte de chaussures avec des cordes et puis tout ça. Doris se trouve une... Ça, c'est funérable. En sortant du séminaire, Doris va frapper à la porte d'un dominicain visionnaire, le père Georges-Henri Lévesque. Imaginez la scène.
moi, devant mon bureau de doyen, et devant moi, ce grand jeune homme déluré, là, qui arrive un peu solennellement pour m'annoncer, lui qui terminait ses études au séminaire de Québec, pour m'annoncer qu'il allait entrer, qu'il voulait entrer aux sciences sociales à l'automne suivant. Et il m'annonce qu'il a tout de même un problème immense. Il dit, le voici mon problème, voici toute ma fortune. Et il dépose sur mon bureau à peu près une trentaine de dollars. Il sait tout ce que j'ai pour 3 ans. À compter de 1938, le créateur de Gédéon et le fondateur de l'École des sciences politiques et sociales de l'Université Laval font route ensemble, Doris assumant durant 12 ans le rôle de secrétaire. En mai 1955, quand il choisit définitivement le showbiz, Doris écrit à son mentor que « Des pages de sa vie, c'est la plus lourde à tourner ». Tout ce que je suis et ce que j'ai pu faire, c'est lui qui me l'a inspiré, au fond. J'étais son secrétaire personnel. Tu te rends compte, vivre dans l'intimité d'un homme de cette qualité-là, ce que ça veut dire? Deuxièmement, quand il a été obligé de remplir d'autres fonctions, il a fait de moi son professeur de philosophie économique. Je suis devenu professeur à l'université, encore grâce à lui. J'étais mêlé à tout ce qui, à toutes les luttes intellectuelles et sociales auxquelles il a participé. Doris, futur militant péquiste, vit les chambardements en milieu étudiant. Renaud de la Pointe, future présidente du Sénat et fédéraliste pur et dur, les vit comme journaliste à l'événement et au soleil. Et il ne faisait pas seulement taper les discours du Père Lévesque, là. Il faisait tout, il recevait les gens, il préparait les entrevues avec les étrangers, parce qu'il venait souvent des personnages étrangers pour voir la faculté des sciences sociales, qui était quelque chose de nouveau, complètement nouveau, et puis même dans certains pays, ça paraissait révolutionnaire. Les acolytes du Père Lévesque sont très mal vus par son principal détracteur, le roi et maître de l'époque, Maurice Duplessis. Mais le lieu de convergence, c'était ça, le lieu de rassemblement de tous ces hommes, un peu épars, qui venaient de diverses disciplines, était l'anti-duplessisme, parce qu'on voulait sortir, Doris et avec beaucoup d'autres, hein, de ce qu'on appelait la noirceur. C'est pas si noir que ça, mais pour nous, ça nous paraissait pesant. Hein, la domination des clercs, quand Duplessis disait que les évêques venaient manger dans ma main, que les curés, lors des campagnes électorales, disaient « le ciel est bleu et l'enfer est rouge », les rouges parce que c'était les libéraux. Alors, c'est comme ça qu'on s'est tous retrouvés. Il n'y a pas un premier ministre dans la province de Québec qui a été élu 5 fois avant celui qui vous parle. L'autorité de Duplessis, au pouvoir à Québec depuis 1936, est mise en perspective en 1948, quand Louis Saint-Laurent remplace Mackenzie King à la tête du Canada. Les espoirs des Canadiens français prennent alors un nouvel élan. On s'est retrouvés dans le combat contre le duplessisme pour en arriver à 1960 et à la Révolution tranquille. Ce sont tous ces hommes-là, ces femmes-là aussi, hein, faut pas oublier qu'il y avait des femmes aussi, et qui ont jeté les bases de la Révolution tranquille de 1960 et qui, je pense, qui ont fait émerger le Québec moderne. Et Doris a été un artisan de cela. Alors, mon engagement politique a commencé par ma participation à une organisation dont les lettres capitales étaient FLQ. C'était pas ce que vous pensez, c'était la Fédération libérale du Québec. J'étais membre de la commission politique de la Fédération du Parti libéral, avec des gens comme Jean Lesage, Georges-Émile Lapalme, Gérard Lajoie, Robert Bourassa, René Lévesque, et j'ai travaillé avec eux autres pendant 6 ou 7 ans, je pense bien. C'était des hommes attachants, pour qui j'ai gardé beaucoup d'amitié. Une amitié qui reste, d'ailleurs, et dont je suis très fier. Qui est la preuve que, en politique, c'est pas absolument nécessaire d'avoir la même idée pour être également des amis. C'est là que j'ai inventé le Père Gédéon. Parce que je ne voulais pas aller raconter ces histoires-là avec les visages-là. Alors, ça aurait ruiné ma crédibilité auprès de mes disciples. Dès lors, les Beaucerons ont leur figure de proue. Mais on ne se doutait pas à l'époque que Gédéon aurait droit un jour à son propre musée. Au tout début, il y a beaucoup de gens de la Beauce qui se disaient
vexé, peut-être un peu gêné de voir quelqu'un comme ça qui donnait une image d'un peut-être un monsieur qui était peut-être un peu trop joyeux au goût de tout le monde. Par contre, au fil des années, tout le monde a convenu que Doris Lussier, par l'intermédiaire de son personnage du père Gédéon, est devenu un excellent ambassadeur pour la Beauce. Surtout lorsque les gens avaient l'occasion de connaître Doris Lussier, la personne pouvait jumeler le personnage. Alors, on voyait que c'était un personnage de théâtre et non tout simplement une caricature des gens de la Beauce de l'époque. Débarque, tu t'es grand joueur! Tu tires la couverte, viens, tu t'en vas! Tout ce que je t'entends dire, tout ça, c'est des affaires qui se sont passées dans l'Ancien Testament! Mais c'est l'affaire vraie, ça! Si on ne sait pas, c'est les menteries, t'es bien, on le sait. Tout ce qui compte, c'est le Nouveau Testament. C'est-tu que t'apprends des affaires là-dedans? Mm-hmm. T'entendais dire que Jésus avait été élevé à Saint-Nazaire. T'as menti pour l'état grandiel, là. Si Jésus est venu au monde dans la Beauce. Oui, y'a d'autres dans Jésus là-bas. Ouais, 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 dans la Beauce. Mm. C'est écrit dans les évangiles. C'est écrit à main en grosses lettres. C'est écrit l'enfant Jésus est né entre Sainte-Marie puis Saint-Joseph. Ben voyons donc. Le public vient chercher des souvenirs, l'époque nostalgique, là, des bluffs. Là. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas Roger Lemelin qui a créé le personnage de Gédéon, qui est entré pour la première fois dans la famille Plouffe le 2 décembre 1954. Gédéon avait fait ses débuts à la radio, dans des émissions d'actualité diffusées de la terrasse Dufresne. Il s'est tué, C'est un journaliste qui rencontrait son vieil ami, un beauceron qui s'appelait pas Gédéon dans ce temps-là. Et puis, il parlait de la situation internationale, puis... Le père Anzine, il s'appelait Anzine? On réglait des problèmes à trois coups de mon coin. Avec le gros bon sang là, des hommes de la terre. Là. Avant le monde de Lemelin, il y eut celui de Gratien Gélinas. Gédéon, c'est un parent spirituel de Tikok et Fridolin. Ah, Doris Lussier, d'un bon camarade que j'aimais beaucoup. Il venait nous voir jouer. Il s'assoyait tous les soirs. Il était assis dans le puits d'orchestre. On voyait là, qu'il aimait tellement ça. Puis finalement, il savait tout ça par cœur, à force de venir le jouer. Puis il imitait très, très bien. Tikok m'a frappé, moi, comme un coup de foudre. Et puis, je trouvais ça absolument extraordinaire sur tous les plans, sur le plan humain, sur le plan de la dramaturgie aussi, puis de la langue, puis tout ça. Et puis, comme j'étais un peu audacieux, j'ai été trouver Gratien, et puis il m'a laissé une passe. Je pense que j'ai vu Tikok 10 fois. Doris Lussier, qui a enseigné à la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval pendant 8 ans, n'allait pas tarder à entrer lui-même dans le showbiz par la grande porte. Un soir de 1953, alors qu'il se trouve avec des collègues professeurs au cabaret chez Gérard, il se met à donner la réplique à Jacques Normand en spectacle avec la troupe du Saint-Germain-des-Prés. Subrepticement, une imposante carrière au cabaret vient de s'annoncer. Oh, quand on faisait des veillées, tu te rappelles, Dodo? Oui. On faisait des veillées au Café Saint-Jean. Oui, c'est ça. Vous apportez votre lunch? La folie des bains. Hein? Il n'y a pas personne là? Folie des bains? Où avez deux séances par soir? Un petit lunch entre les deux séances? Durant des années, Doris Lussier et Jacques Normand se disputeront le trophée de la langue bien pendue. Tout a commencé un soir où l'on se tourne vers le prof de Québec pour remplacer à pied levé le roi des nuits de Montréal au Café Saint-Jacques. M'en foutais, mon Dieu. 350 personnes, se casser la gueule devant 350 personnes, c'est quand même pas une catastrophe thermonucléaire. J'y vais. Je me fous là-dedans, moi, sans savoir, sans connaître toutes les difficultés inhérentes au métier de comédien, au métier de monologuiste. M'en voilà. Il a fait un triomphe ici devant. Ah ouais? Un triomphe. Au tout début. Hein? Ça a été la première fois qu'il a fait du cabaret, ça. Oui, c'était une grosse médiée qu'on a fait. Et le plus inouï de la chose, c'est que je dois dire publiquement que pour son immense talent, il ne coûtait pas tellement cher dans mon budget. J'étais là pour 3 jours. Je suis resté là 2 ans. 2 ans à tous les soirs, 2 fois par soir, 3 fois le dimanche, avec le même monologue. La partie de pilote. Du 17 au 26 août 1956, Gédéon triomphe pour la première fois au plus célèbre cabaret de Québec,
chez Gérard. Bien, chez Gérard, bien, il était une des vedettes indestructibles, bien sûr. Puis, nous autres, on jouait contre le club des frères. Parce qu'à tous les ans, les frères s'emmenaient à le chalet au lac parce que nous, on a passé une couple de mois, tu sais, en virgiliature, tu te reposais tranquille, t'sais. Puis le dimanche après-midi, il y a ma soeur jouer contre nous autres. On s'arrangeait toujours pour mettre ça à l'équipolin un peu. Puis nous passait à des frères, on lui passait à des petits gars. Puis on balançait un peu notre affaire de main. Puis moi, je m'en rappellerai toujours, moi, de le coach à eux autres. C'était le frère Manuel, il s'appelait lui. Pauvre chien qui était bon. Il connaissait la plotte, lui, sur le bout de ses doigts. Puis, il était surtout fort sur le bat, lui. Il nous avait toujours dit, les jeunesses, parce qu'il nous montrait à jouer, elle est partie, nous autres, les habitants. On connaissait pas ça à plein plein. Eux autres, les frères, ils jouent à ça l'année, quand tu veux connaître les affaires. Il nous avait toujours dit, les jeunesses, si tu veux avoir du russe dans ce jeu-là, tout est dans la manière de quoi c'est que tu pognes ton bat. Ah ben non, ben c'est parce que donne manière de... Il habitait la Seine. Il avait besoin de rien d'autre que de lui. Et il s'appliquait souvent dans ses spectacles sur une femme dans les premières rangées qui, elle, avait le rire plus facile que les autres. Et là, il ne la lâchait pas. Et il se servait d'elle comme un levier humoristique pour que ça se dégage sur toute la salle. Un phénomène extraordinaire parce que le patois qu'il employait, là, ça avait l'air tellement naturel, vous savez, c'était formidable. Hein? Et puis, les situations, là, dans les choses de Lemelin, quand il était allé aux États-Unis, aux États, oh, c'était tordant, tordant. Oh, Père Gédéon! Excusez-moi, madame, mais je ne voudrais pas vous déranger, c'est ma chambre, comme... Guillaume. Guillaume? Vous n'avez pas vu le plus jeune Sutophile? Ben, oui, j'étais au restaurant, de tout, avec lui, puis... mangeant un costaud de travail là, puis d'un coup, je suis en train de regarder une belle créature, je pense. Il est parti, puis elle l'est pas revue, puis moi, je t'ai écarté. Elle a l'air fou de dire ça, mais je t'ai écarté. Les bâtisses sont pareilles. Ah, il était chiste, le petit peu. Ben oui, m'a fait peur, toi. Guillaume. Curé, Guillaume. Ben là, je l'ai vu. Je l'ai vu, moi aussi, ce citron de beau petit bébé, hein. Je suis parti à la presse, comme vous. Ah, c'est vrai, c'était une vraie belle petite créature. Ah. Venez vous asseoir, venez vous asseoir. Ben, j'en prends. Ça nous fait plaisir. Ah, ben, alors, vous êtes en promenade. C'est pas grand, mais c'est propre. Hein? Je ne connais pas le fameux mononcle. Oh, excusez-moi, Monsieur Gadois. Ah, Monsieur Gadois. Ah, je vous ai vu à Miami, je crois. Père, ah, ça se peut. Ah. J'ai dit, mais on n'en parle pas. Vous avez votre caméra? Vous aviez votre caméra? Ah, oui, j'ai coupé beaucoup de films que j'ai pris de lui là-bas. Ah, ah la censure. On est revenu, en tout cas. Vous avez rapporté une belle cravate rose, Père Gadois. Oui, ça vient de la Floride, ça, justement. Alors, vous êtes en promenade à Montréal? Ah, pas bien comme Montréal. On fait relativement toute la province. Tout là, Guillaume s'est acheté une grosse machine. Il a fait des grosses gares à plein cet hiver, là, dans le sport. Puis, ça fait qu'on va voyager avec lui. Que, ben, là, les fumages sont finis, puis les élections sont passées, puis à ce que... Oui, on peut tout encore les élections, les avez-vous gagné toujours vos élections, Père Gédéon? Ah, elle dit pas. Elle dit pas par rapport que je veux pas être débris, je le savais. Critiquement, quand elle a voté de l'autre bord de moi, je débris. Ça fait que, depuis l'histoire de la Floride, elle m'a boudé une couple de semaines. J'avais pas envie de l'avoir de contre moi. Il y avait quoi? Pour l'auteur Roger Lemelin, l'apport de Doris Lussier et de son personnage devient indispensable. Les hauts et les bas du vieux ratoureux de la Beauce entrent dans la légende. Par le biais de la télévision, Gédéon s'incruste. Et puis Roger, qui était toujours très intelligent puis capable de tirer avantage des découvertes semblables, bien, il l'a embarqué dans ses programmes, dans ses émissions. Ah! Ah, je suis bien de dormir, là, ça, que vous parlez. Mon Dieu, tu deviens de plus en plus nerveux, Gédéon. Tu me réveilles 7 à 8 fois par nuit. Tu penses pas qu'on devrait acheter des lits séparés? Des lits jumeaux? Non, ça jamais. On va respecter les traditions canadiennes françaises jusqu'au bout. Comme tu voudras, Gédéon. À part de ça, il y a une autre raison, Mélie, c'est que j'ai besoin de ton épaule comme jamais, l'espèce. Tu mets la faillite,
politique. Ramona, va sur le marché, c'est plus qu'un homme peut endurer tout ça. Le père Gédéon, c'était pas uniquement un acte humoristique, c'était un acte politique, son personnage. Parce qu'en recréant le père Gédéon, il retournait aux racines profondes de la Beauce, et pour lui, l'interprétation du père Gédéon qu'il en donnait, c'était retourner aux racines même de la culture populaire et de l'attachement à nos racines, à notre passé, à la façon de s'exprimer, qui était très vieille France, hein, à la façon de Molière. Hein, les paysans de Molière parlaient comme le père Gédéon parle. Ah, puis tout va mal, nos bons vieux partis politiques qui s'effritent au calvin. Des Lauriers, des Lapointe, puis même des McDonald's, puis des Cardin, ça compte plus, c'est des stades d'abri qui bourrent le monde. Oui, on est étonnant. Hey, I have to go to the garage. Garage? Yeah. You're my man. Come to my garage at the monastery. Doris Lussier et Jean Duceppe, Gédéon et Stan Labrie. Ces deux personnages qui évoluent dans le monde créé par Roger Lemelin sont aussi connus au Canada anglais qu'au Québec, car à l'époque, La Famille Plouffe est diffusée chaque semaine dans les deux langues. Non, 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 don't tempt me. I'll stop my retreat today. Well, I'm just going to smoke a pipe at the pier. Moi, je me souviens d'avoir entendu de la bouche de Doris Lussier dire « Le père Gédéon, il n'est jamais mal pris, même dans les temps creux, il peut encore gagner 800 piastres par jour. » Mais à l'époque, c'était énorme. Mais quand il n'avait pas l'habit, jamais, jamais, jamais qu'il parlait en père Gédéon ou qu'il pensait en père Gédéon. Un costard bien mis avec les gags grivois du père Gédéon, ça n'allait pas ensemble, ça. C'était Doris Lussier ou le père Gédéon, c'est très défini. Depuis presque aussi longtemps que Gédéon, Doris Lussier est vedette de télévision lui aussi, car dès le début de 1955, la réalisatrice Lisette Leroyer s'est tournée vers l'homme d'esprit et de lettres pour animer son jeu questionnaire, le point d'interrogation. C'est à mon tour. Bonsoir, Juliette. C'est un petit jeu hors contour, évidemment, qui s'appelle le petit jeu sans oui ni non. C'est très simple, je vous pose des questions. Dans le milieu, on n'oublie pas que le cabotin est aussi philosophe. Au Gala des Splendeurs, le père Ambroise Lafortune salue une âme sœur. C'est pas sur le plan de la philosophie, car c'est un maître en philosophie et en théologie qui a produit cette année d'ailleurs un article fort remarqué sur les théories du père de Charbin au sujet de l'évolution de l'espèce humaine, mais qui cependant évolue dans un tout autre milieu habituellement et sur le plan moral et des perspectives bien particulières quand il va en Floride. J'ai nommé Doris Lussier. Selon lui, l'unique justification de notre existence ici-bas, sachant qu'on ne sait pas où on s'en va et on ne sait pas d'où on vient, malgré toutes les questions, les interrogations fondamentales qu'on se pose sur l'existence et surtout du pourquoi de l'existence dans un monde qui est loin d'être parfait, les hypothèses de l'existence ou de l'inexistence de l'être suprême, malgré tout ça, il reste que la meilleure chose à faire, c'est d'apprécier le bref moment qu'on a dans les quelques années, dans les 15 milliards d'années-lumière de l'univers connu. Et dans ce sens-là, c'est le plaisir au maximum, sans faire de mal à personne, et en donnant aussi un peu de sa personne à ceux qui en ont besoin. Doris Lussier était un homme d'affaires averti. Doris était assez près de ses sous. On pourrait même dire que ça frôlait le radinage. Hein. Il était peut-être un petit peu radin, Doris. Et je ne sais pas s'il en avait manqué dans son enfance, mais pour lui, l'argent devenait, pas une obsession, mais une grande préoccupation de sa vie. La sécurité économique de sa famille était extrêmement importante, surtout que l'environnement dans lequel il fonctionnait au niveau professionnel était une grande volatilité. Il faut prendre la manne quand elle passe et on ne sait pas dans 3 ou 4 ou 5 ans qu'est-ce qui va se produire dans ce milieu-là. Donc, il était effectivement près de ses sous, mais lui, sa philosophie de la consommation matérielle, en dehors des bagnoles, quand il le pouvait, c'était pas d'avoir plus,
c'est d'avoir mieux. Il y a une différence entre avoir une toilette en or et puis acquérir un bien qui améliore la qualité de la vie. Donc, dans ce sens-là, il s'est fait une petite réputation avec laquelle il s'amusait beaucoup, il prenait ça avec un grain de sel, mais dans le milieu qui l'entourait, dans les milieux qui l'entouraient, on disait qu'il était un peu gratuit, parce qu'il ne payait pas la traite, mais il ne voyait pas que c'était un investissement très rentable d'imbiber ses amis d'alcool pour toutes sortes de raisons. Derrière l'homme cherchait la femme. Si Gédéon avait ses créatures, Doris avait sa Lily, de son vrai nom Alice Gagnon. Ils s'étaient connus à Lambton quand elle avait 6 ans et qu'il en avait 10. Elle avait un beau regard bleu ciel, des longs cheveux frisés en boudin. Et elle avait un sourire dévastateur. Doris et Lily se marient pour la vie en 1943 et ils forment un clan serré avec leurs deux fils, Jean, né en 1950, et Pierre, né en 1952. Mais parallèlement à sa vie d'artiste et à sa vie de famille, Doris Lucier s'intéresse toujours passionnément au combat des idées que mènent plusieurs de ses amis sur la place publique. Il est un petit peu tiraillé entre être professeur à l'université, faire ce que Lemelin voulait qu'il fasse, soit de la comédie, et son père Gédéon qu'il avait créé, et éventuellement faire de l'action politique, parce qu'il avait des idées très arrêtées sur ce qu'il fallait faire, surtout qu'il était naturellement un peu comme tous les libéraux à ce moment-là contre Duplessis. Mais lorsque Jean Lesage a pris le pouvoir, là, ça lui a tenté joyeusement. Et il fréquentait tous ces politiciens-là avec lesquels il avait fréquenté l'école, René Lévesque, entre autres. Mais c'était limité quand même, parce que ça allait tellement bien au niveau professionnel et que le pognon rentrait, c'était un risque de s'en aller à Québec être député pour quelques piastres par année. Ça n'était pas payant à ce moment-là, ce n'est pas plus aujourd'hui. Mais lorsque René Lévesque a fondé le mouvement Souveraineté Association, à ce moment-là, il a été tenté. Ces dernières années, dans Québec, il y a eu cet élan qu'on a appelé, surtout dans les premières années, là, après la mort de M. Duplessis, l'espèce de renouveau là, qu'on a appelé la Révolution tranquille. J'ai connu chez bon nombre, et je ne crois pas que ce soit un mystère... Lorsque René Lévesque quitte le Parti libéral et fonde le mouvement Souveraineté Association en 1968, Doris Lucier est parmi ceux qui décident de le suivre. Il devait trouver dans René Lévesque... Il était féru d'histoire, l'histoire contemporaine aussi. Je pense qu'il trouvait dans René, comme beaucoup de, inconsciemment, de citoyens québécois, le grand timonier. Vous savez, la longue marche, le grand timonier, Mao Tse-tung, etc. Parce que René Lévesque avait une sorte de halo autour de sa personne. Même vivant, il était presque un être mythique. Alors ça devait énormément plaire à Doris, hein, qui, à travers l'histoire et tout ça, sa formation de philosophe, avait compris le sens des êtres mystiques et le sens du mysticisme et de ceux qui sont des porteurs d'espoir, de changement, des porteurs d'espérance. Vive le Québec, libre, enfin! Bien, voyez-vous, au tout début, c'était pour... tout le monde était contre Duplessis, ça, c'était assez connu. Et puis après ça, bien, les choses se sont compliquées au Québec, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, peu à peu, bien, je pense qu'il a glissé vers le nationalisme vrai, là, et même plus que vrai. Le bilinguisme individuel est un bienfait, parce que nous vivons en Amérique du Nord. Et le bilinguisme institutionnel est une menace également parce que nous vivons en Amérique du Nord. Doris, c'est pas fou, quand il a vu qu'il y avait une vague qui s'annonçait, bien, il est embarqué dans la vague pour en profiter lui aussi, pour en profiter lui-même. Et puis, peut-être que ça coïncidait aussi avec quelques teintes de nationalisme qui est devenu un peu plus fort avec... l'entraînement. De l'Apocalypse selon Saint Jean Chrétien.
L'indépendance comme fin du monde. Mais moi, ben, même fédéraliste invétéré, je trouvais ça drôle. Des fois, j'appelais « maudit fou ». Tu sais, on s'appelait au téléphone et puis « maudit fou ». Es-tu encore du mauvais bord, là, Doris? Et puis, il riait. Il trouvait ça drôle. Moi aussi. Quoi qu'en disent ses amis fédéralistes, Doris Lucier prend la partie très au sérieux. En 1970, lors de la première campagne électorale du Parti québécois, il s'en est fallu de peu qu'il devienne député du comté de Bonaventure, car le légendaire Bona Arsenault n'a remporté la victoire qu'avec 374 voix. Doris, il était un peu... Il a été conscrit, hein, pour aller dans Matapédia. Et je pense qu'il est allé avec extrêmement de ferveur et de joie. Et avec Bona Arsenault, qui était le pape du village, avec Bona Arsenault, dont on disait, il faudrait, parce que ça fait longtemps qu'il était en politique, il faudrait que Bona parte. C'était la blague de l'époque, et je pense que Doris en a abondamment utilisé pendant la campagne électorale de Matapédia. Il a fait une campagne typique, là, du porte-à-porte, durant un an de temps. Et finalement, j'étais bien content de ne pas être en politique. Avoir été élu dans l'opposition avec 6 députés... Le pauvre Bona, il n'était pas d'équerre, comme on dit. Il ne pouvait pas rivaliser avec Doris. Quoique, il était pas fou, Bona. Ah non, Bona, non. Il ne faut pas le mésestimer. Je pense pas qu'il était fait pour la politique, parce que lui, on le voit dans ses écrits, il aime les gens. Il aime débattre des idées, mais il n'aime pas... il ne plantera jamais personne. Il va débattre des idées qui sont différentes. Quand il diffère d'idées avec quelqu'un, mais jamais il va s'attaquer à une personne. Et dans ce sens-là, lorsqu'on est en politique, au pouvoir, si on a un ministère, premièrement, il faut avoir un ministère, il l'aurait eu. Là, on fait la plupart du temps des mécontents parce que, bon, il aurait peut-être donné les affaires culturelles, il n'y a pas d'argent, ses amis auraient été contre lui. Je ne pense pas qu'il ait eu la couenne assez dure pour endurer les critiques. Parce que vous savez que les artistes sont sensibles aux critiques. Et pour être politicien, ça prend une bonne carapace. Et un bon sens d'humour. Ça, il l'avait. Mais l'autre partie ne l'avait peut-être pas. Dans ce sens-là, je pense que c'était un bien qu'il évite la politique active. Et il préférait se contenter de jouer un rôle de conseiller où il mettait ses idées en tant que citoyen. Il n'y avait aucune attache. Et ça, il aimait ça. Il pouvait jouer au golf sans problème. Bon, continue donc, toi, là. C'est comme ça qu'il est. Après ça, j'ai une pub politique, ça. Mm-hmm. Je n'ai rien à dire contre vous, mm-hmm. ni contre les autres. Sais-tu que... Un an et plus, elle est plus croche, tu sais. Oui, ça serait-tu parce qu'elle est croche? C'est ça qui a fait une pub politique. On n'insistera pas là-dessus, parce non, que ça peut gêner du monde. Comme ils disent dans les grands livres, glisser mortel. Appuie des pas. Élevez-vous-en des vieux qui ont encore un organe comme ça, à mon âge. Il se faisait un plaisir de faire rire les gens. Même si Doris Lucier s'est définitivement retiré de la course électorale après la campagne de 70, le 15 novembre 1976, on le retrouve maître de cérémonie au Centre Paul Sauvé, au premier rang des militants qui fêtent la victoire du Parti québécois. Doris Lucier qui présente M. René Lévesque à l'assistance ici. Le Parti québécois, c'est une clé. Le pouvoir, c'était la serrure. Vous venez de mettre la clé dans la serrure qui nous ouvre la porte de notre avenir. Voici René Lévesque. On s'attendait qu'on aurait du succès, mais on pensait pas de prendre le pouvoir. Et quand au tout début de la soirée, ça a commencé à rentrer, puis à rentrer, on a dit, mais ça y est, puis c'était une frénésie d'enthousiasme, c'était la béatitude. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir.
Moi, j'étais près de lui. Il était heureux, bien sûr, très heureux, mais il y a des joies qui sont lourdes. J'ai senti dans son regard le poids énorme de la responsabilité historique qui lui tombait sur les épaules. Ils étaient très attachés l'un à l'autre. Et René Lévesque était un être extrêmement fermé, hein, secret, et Doris qui était extrêmement ouvert, disert. Et les contrastes s'attiraient et l'un aimait beaucoup l'autre. 25 ans, merci. Oui, Jean. 25 ans, merci. Comme disait Daniel Lacoux, qui a l'habitude d'arriver en retard, donc on savait que cette fête probablement commencerait avec 8 minutes de retard. Donc 5000 personnes sur l'amphithéâtre de l'Est de Montréal. Je viens témoigner ce soir au nom de tous les membres du Parti québécois. Ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui et même ceux de demain. Je dis même ceux de demain parce que nous devons tous un immense merci à René Lévesque qui en 25 ans nous a transformés en Québécois. Dans le cas de Lévesque, ça devait être, je pense que René devait voir en Doris, en tout cas, un homme fervent, un homme de franchise, un homme de droiture, ce qui était des vertus privilégiées chez Lévesque, hein, qui est mort à pauvre, sans un sou, où l'argent ne voulait rien dire pour lui. Et dans le cas de Doris, vis-à-vis de René Lévesque, une admiration inconditionnelle. Jusqu'à la fin, le cheminement et le destin des deux humanistes, Doris et René, resteront profondément liés. Ce n'est pas mourir quand on reste pour une nation entière de guilde qui nous montre encore, aujourd'hui comme hier, le chemin de notre meilleur avenir. La mort a toujours préoccupé le philosophe Doris Lussier, et la mort s'est toujours organisée pour qu'il ne puisse l'oublier. Le plus dur coup est porté le 6 février 1979, le jour où son fils Jean s'enlève la vie à l'âge de 28 ans. La perte de leur premier enfant représente pour Doris et sa Lily la plus dure des épreuves. Quand vous perdez votre fils pour des raisons comme aussi macabres que celles comme la drogue, ben là, et malgré toute l'éducation qu'il nous a donnée, quand on était tout petit, quand la drogue est arrivée dans les écoles, on a parlé de tout chez nous. Il n'y avait rien de tabou. La sexualité, la drogue, tous les problèmes et les bons côtés de l'existence, de la vie. Mais indépendamment de ça, ça n'a pas marché dans le cas de Jean. Et puis, ben, il s'est dit, oui, ben, peut-être que j'ai mal procédé, j'aurais dû procéder comme ça au lieu de comme ça. Et puis, il y avait un sentiment de culpabilité, comme tous les pères en auraient. Mais il a réussi à passer au travers et continuer à quand même avoir du plaisir dans la vie. Mais il ne fallait pas y en parler souvent de cette expérience, de ce qu'il a vécu. Il faut prendre la mort comme on prend la vie, comme elle est. Ah oui, parce que quand on lit ces réflexions-là sur la mort et puis sur la vieillesse, là, c'est passionnant, réellement, puis ça nous surprend, parce que quand on pense à son côté folichon, on ne peut pas s'imaginer qu'il est aussi sérieux et puis aussi philosophique et même presque théologique. Oui, oui. Mais ça, c'est son héritage du Père Lévesque, du voisinage du Père Lévesque, t'as entendu? C'est Pascal qui avait raison. Pascal disait le pari de Pascal. C'est ce qui a été dit de plus beau et de plus profond sur le destin humain. Pascal disait, après la mort, ou bien il y a tout, ou bien il n'y a rien. S'il n'y a rien, il n'y a rien. S'il y a tout, il y a le bonheur éternel. Moi, je gage sur tout. Si je perds, je perds rien. Si je gagne tout. Vraiment, monsieur, je voudrais enfin savoir pour quel motif vous me suivez tous les soirs.
Chaque fois qu'il faut que je sorte, je pourrais trouver ma porte. Ma chère madame, si vous pardonnez-moi. Dans Gédéon, le bon vivant, on reconnaît bien Doris qui aimait tant les femmes et qui les comblait de ses cadeaux épistolaires. Si le féminisme n'avait pas inventé l'homme rose, Doris Lussier s'en serait sûrement chargée. Il y avait beaucoup de charme naturel aussi, vous savez. Et puis, c'est comme je vous disais, avec les femmes, là, il y avait toujours un compliment là, prêt. Et puis, même si c'était un pur mensonge, vous savez, on se laissait avoir. C'est une scène de l'amour masqué. Sacha Guitry, c'est le prince Louis Napoléon qui danse avec une inconnue, une très belle inconnue, mais ils ont un loup sur les yeux et ils dansent. Et le prince Louis Napoléon dit viens s'il est vrai que tu m'attends, viens dans les bras que je te tends, mets ta rose auprès de ma rose. Offrir son bras, c'est vraiment peu. Mais quand on peut t'offrir les deux, pourquoi faire à moitié les choses? Sous ton masque de velours noir, quand tu tressailles, je crois voir toutes les belles inconnues qui passèrent sur mon chemin dont je n'ai pu toucher la main et qu'hélas, je n'ai jamais eu. Jamais jusqu'ici, mais ce soir, je vais donc toutes les avoir, baisant leurs lèvres sur les tiennes. Et quant aux bouches qui t'ont plu et que tu n'as pas eu non plus, viens donc les baiser sur la mienne. C'est plus que gentil, hein? Un roi. Homme d'honneur et de tradition, quand la fille de son ami Tiblan-Richard se marie le 15 septembre 1990, il accepte de représenter un peu le père disparu, remerciant galamment la mariée de l'avoir invitée à l'enterrement de son célibat. Il m'écrivait des lettres. Il m'envoyait ses livres. Mais c'était bien informé à savoir si je les lisais ou si je lisais les passages qu'il m'avait soulignés pour moi. Parce que si je n'avais pas lu ses livres, de toute façon, il l'aurait senti, il n'en aurait pas envoyé d'autres, là. C'était tout compté, ça, là. Il envoyait un livre à condition que ça serve. Si c'était pas pour servir puis rester au rencard, il n'en voyait plus. Les lettres, c'est la même chose. Il sentait, mais il était très fin renard dans une conversation 6 mois après Mémoire d'éléphant. S'il sentait que la lettre avait passé par une oreille puis ça avait sorti par l'autre, il n'en aurait plus eu d'autres lettres. Ça, c'était une partie essentielle de son existence. Passer un grand temps, une grande période, fort pourcentage de son temps libre dans son sanctum, entouré de sa bibliothèque et de ses notes. Il réfléchissait, il écrivait de temps en temps. Il m'envoyait des mots, il m'envoyait un peu partout. Et puis, à part ça, lui, il avait fait des études sérieuses. Et puis, à un moment donné, quand il a vu qu'il pouvait mettre ça à profit, et puis envoyer ça à la presse, puis à d'autres journaux, aller à la radio, puis dire ces choses-là. Puis ça le payait en même temps pour être profond. Comme dit d'une façon imagée le linguiste belge Joseph Hans, dans votre pays, mettre les deux langues sur le même pied équivaut à mettre les deux pieds sur la même langue. Des fois, même, il abuse un peu des citations, parce qu'on voit qu'il les connaît, les citations. Et puis, ça, c'est un signe de culture. Mais des fois, il ne faut pas en abuser quand on écrit quelque chose. Si on cite, mettons, 5 ou 6 auteurs, bien, des fois, c'est un peu trop. Il en inventait lui-même des citations. Il déformait que des citations, se les attribuait à lui-même, ou il y avait ses propres citations à lui, ses propres aphorismes, qui ont fait que Doris était, je dirais, un grand intellectuel québécois. Hein. On pense toujours, on voit toujours le père Gédéon avec sa chaîne, puis tout ça, un peu dépenaillé, mais Doris a été un des grands intellectuels au Québec. Dans les dernières années, il se disait, lorsqu'on pataugeait dans cette grande bibliothèque et toutes ses filières où il a classé là, systématiquement le froment de toutes ses lectures, par sujet, par auteur, il y a les meilleures déclarations des plus grands du monde entier. Et lorsqu'on pataugeait là-dedans, il se disait vers la fin de ses jours, il savait à ce moment-là qu'il était atteint d'un cancer, et il me disait, Pierre, finalement, là, tout ça, là, pourquoi, ça a donné quoi? Je dis, papa, tu t'es fait plaisir pendant tout ce temps-là. Parce qu'à la fin, il fallait que je le ramène à sa notion du plaisir. Parce qu'il avait tendance, quand on est sur la morphine, à être déprimé, downer, et puis normal, on va mourir, il le savait.
Et je le ramenais à papa, j'ai dit, tu as eu du plaisir à le faire. Bravo. Puis moi, je vais m'amuser. Parce que ça, ça l'inquiétait, que je ne me serve pas de tout ce qu'il a accumulé au cours de sa vie. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que je m'en gargarise joyeusement. Et je le faisais auparavant aussi, mais encore plus depuis qu'il est mort. J'ai même fait préparer mon épitaphe, sur laquelle il est écrit, je suis allé voir si mon âme est immortelle. Le problème reste entier de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va m'arriver? Quel sera mon destin? Est-ce que mon âme est immortelle? Dieu existe-t-il? Quelle est ma raison d'être? À toutes ces questions, il n'y a qu'une réponse. Mystère.